cet espace qui est devenu en 1982 l'École nationale de la photographie est un hôtel arlésien dans lequel les rencontres de la photographie ont commencé leur numéro 1 en 1969. Et pendant assez longtemps, c'est-à-dire que jusqu'en 1980, les rencontres se caractérisaient par des débats avec le public et des photographes qui étaient invités, que ce soit Jacques-Henri Lartigue, Robert Doisneau, ou bien Bruce Davidson, ou Shoji Ueda. Mais des photographes du monde entier sont venus ici et ont proposé au public de commenter leurs œuvres. Alors je pense que ce premier lieu de rencontre, qui donnait à cette institution tout le sens profond de son appellation, finalement, eh bien, a été épique. Nous avons connu des événements dont on pourra reparler plus tard, qui ont été parfois très, très drôles, parfois inquiétants. Mais en tous les cas, c'est un lieu qui reste aussi historique par rapport à cette histoire des rencontres de la photographie.